J'ai dans la tête un vieux sapin, une cage en dessous. Un Saint-Joseph avec une canne en caoutchouc. Était mal faite, pis j'avais frais. Quand je revenais de passer trois heures dans un lilou, qu'on avait fait deux, trois gauches et qui rondoux. J'ai dans les yeux rendu heureux une sorte de jeu. Qu'on avait eu une sorte de grange avec des bœufs. La même année où j'ai pensé, le temps des fêtes avec sa tête une se croquée. Parce que je voulais me faire passer pour Doug Harvey. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté. Salut le TQ, on s'en verra le 7 janvier. Bon, salut gang, donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment que j'interprète 23 décembre. J'ai eu des demandes pour cette chanson de... j'avais fait un cours sur YouTube, mais je vais en faire un petit peu plus détaillé. Je vais vous la montrer pour débutants, ok? Dépendamment de votre niveau, commencez avec celle-là, ok? Si ça fait pas trop longtemps de jouer de la guitare, vous commencez, je vais vous montrer comment la jouer. Commencez-la lentement, avec sans les riffs, là, puis tout, là, puis essayez de maîtriser ça. Une fois que vous maîtrisez la chanson au niveau débutant, là, commencez à la jouer plus... avancer avec les riffs. Je vais tout vous montrer ça. Donc, de plus, j'ai un collègue qui va répondre aux questions pendant que je joue parce que je ne suis pas capable de répondre aux questions si vous en avez durant le live. Puis, si à la fin du vidéo, je vais pouvoir répondre à vos questions sans problème. Okay? Donc, accordez-vous standard, puis on va commencer avec la version débutant. Okay? Donc, on va commencer avec la rythmique sur un AM, ok? Donc, on va faire pince la tonique, bas, ok? Donc c'est pince bas. Au bas, haut, ok? Donc, pince, bas, au bas, au pince, bas, au bas, au pince, bas, au bas, au pince, bas. Donc, AM, C, G. Bon, excusez-moi, je voulais juste me mettre dedans. Là. Donc, AM, un C et un G. Faut faire le bas de G comme ça. Donc, pince, bas, comme ça. Faites-la avec moi. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une mesure de AM, une mesure du C. Ensuite, on fait le G, une mesure, deux mesures, excusez-moi. OK? On peut faire deux fois l'intro comme je viens de vous dire. Donc, AM, une mesure, C, une mesure, G, deux mesures. Ensuite, première phrase. J'ai dans la tête une mesure de AM. C, G. Saint-Jean,
am, C, D. Deux mesures de D. BM. C. Deux mesures. Tu sais. Qu'on avait fait deux ou trois gauches et girondous. OK. Là, ce qui est important là, quand vous chantez, là, puis que vous jouez de la guitare, fiez-vous beaucoup aux paroles. OK. Écoutez la chanson, puis fiez-vous. Moi, je pense jamais à une mesure du AM, une mesure du C, deux mesures du G. Moi, je vais vraiment avec les paroles. J'ai dans la tête un vieux sapin. Là, je sais qu'il faut que, dans ma partition, le C est en haut du sapin, là, quand on tombe sur sapin. Donc, c'est sûr qu'il faut que je change mon accord. J'ai dans la tête un vieux sapin, une crèche en tout. Donc, vous pouvez voir dans ma partition que les accords sont exactement quand ces syllabes-là vont se produire, on va dire, on va mentionner ces syllabes-là. OK? Donc, j'ai dans la tête un vieux sapin, une crèche en dessous. Yep, deux fois. Un Saint-Joseph avec une canne en caoutchouc. Était mal fait, puis j'avais fait. Et quand je revenais passer trois heures dans un lit loup. Puis on peut l'accélérer un petit peu. J'ai dans la tête un vieux sapin, une crèche en dessous. Un Saint-Joseph avec une canne en caoutchouc. Était mal fait, puis j'avais frais. Et quand je revenais passer trois heures dans un lit loup, qu'on avait fait deux ou trois gauches et girondous. Donc, vous pouvez voir qu'avec le D, j'ai mis un point d'exclamation. Donc, il y a plusieurs variantes. Là. Il n'y a jamais... oui, on peut le faire exactement comme la chanson, mais moi, j'aime toujours la changer, la mettre à ma sauce, etc. Donc, pour commencer débutant, on fait... Vous pouvez faire... Un Saint-Joseph avec une canne en caoutchouc. On peut arrêter la jouer. Okay, on peut faire ça, ou on peut faire un Saint-Joseph avec une canne en caoutchouc. On continue sur les... On peut faire comme ça, on peut faire ajouter le... On peut voir que sur ma partition, c'est marqué D sus 4. D sus 4, c'est quoi? C'est que je viens d'ajouter mon petit doigt. Donc, je fais un D, D sus 4, mon petit doigt sur la première corde, troisième corde, OK? Puis, excusez, je vais essayer de me placer un petit peu mieux pour la caméra. Parfait. Puis, on vient arrêter sur le D. Donc, exemple. Un Saint-Joseph avec une canne en caoutchouc. Donc, mon petit doigt sur la troisième corde, première corde. Mais comme je vous dis, maîtrisez le D sans tout ça. Puis, quand vous allez vraiment... filer la chanson, là vous allez pouvoir l'ajouter facilement. OK? Donc commencez par j'ai dans la tête un vieux sapin, une crèche en dessous. Un Saint-Joseph avec une canne en caoutchouc. Était mal fait, puis j'avais frais. Quand je revenais passer trois heures dans un igloo, qu'on avait fait de OK? Ensuite, l'autre couplet, c'est pareil. J'ai devant les yeux heureux une sorte de jeu qu'on avait eu une sorte de grange avec des bœufs la même année où j'ai passé et le temps des fêtes avec sa tête une tuque d'hockey. Parce qu'on voulait me faire passer pour Doug Harvey. OK? Donc,
refrain maintenant. Les accords, ils sont C, D, G. G avec une tonique F dièse. Donc, on fait le G, on garde le G, mais on vient faire la tonique, au lieu que la tonique soit sur la troisième case, et sur la deuxième. Vous allez souvent faire voir ça de G à EM pour une descente. Okay. Là, je vais voir si les débutants, je vais vous le montrer. Attendez, 23 décembre. Joyeux Noël, Monsieur Côté. Salut, TQ, on se reverra le 7 janvier. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je vais le montrer tantôt dans pour un petit peu plus avancer. Okay? Si vous voulez le faire, il n'y a aucun problème. Je ne vais pas le montrer tout de suite. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Comté. Salut TQ, on s'en verra le 7 janvier. J'ai dans la cour. Ok, bon. Donc, c'est toutes des mesures. Donc, une mesure pour le C, une mesure pour le D, une mesure pour le G, une mesure pour le EM, une mesure pour le F majeur 7e qui est seulement. On va jouer seulement les quatre dernières cordes comme un D. Quatre premières cordes, excusez-moi. Puis on met le premier doigt sur deuxième corde. Puis première frette. Deuxième doigt sur troisième corde. Deuxième frette. Puis troisième doigt sur quatrième corde. Et troisième corde. F majeur septième. C'est une façon de faire un F simplifié. Ça ne sonne pas tout à fait pareil, ça a une couleur différente, mais ça peut bien fitter, surtout quand il y a un C après. Okay? Donc, 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté. Salut, TQ, on s'en verra le 7 janvier. Donc, accord C, une mesure. Ensuite, D, une mesure. G, une mesure. EM, une mesure. F majeur septième, deux mesures. Et C, deux mesures. OK? Fiez vos paroles quand vous chantez. Si vous n'êtes pas capable de chanter les paroles, essayez de fredonner au moins. J'ai dans la C'est bien, une femme avait habillé en communion. Excusez-moi, il faut que je descende ma partition. Donc, c'est pareil pour ce couplet. On fait la même chose. J'ai dans le cœur. Même chose que les autres couplets. Une bien femme avait habillé en communion. Chez ma grand-mère, c'était ma mère. Où se déguisait. Noël pour me faire croire que les cadeaux ça venait pas tout de lui dire fra 23 décembre joyeux Noël Monsieur Côté salut TQ on s'en verra le 7 janvier c'est l'heure de voir et la voix plus d'y parler fais des étoiles. Peux-tu avoir un autre hockey? J'ai perdu le mien, beau sans dessin. J'ai juste changé contre une photo en rien. Des filles de dos qui se cachent les fesses avec les mains. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté. Salut TQ, on s'en verra le 7 janvier. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté. Salut TQ, on s'en verra le 7 janvier. Parfait. Donc, allez-y à la vitesse que vous voulez. Commencez lentement.
allez-y lentement, comme ceci. Puis après, vous allez être capable d'aller un petit peu plus vite. Accélérer tranquillement. Ça va pratiquer aussi à pincer les toniques. Donc, une fois que vous allez maîtriser la rythmique, là, c'est là que vous allez commencer à jouer la chanson un petit peu plus avancée. Je vois trop de gens qui essaient d'aller trop vite, ça donne rien. Okay? Vous allez apprendre la chanson encore mieux et beaucoup plus vite que d'habitude si vous commencez par maîtriser la rythmique générale de la chanson. J'ai dans la tête un vieux sapin, une crèche en tout. Un Saint-Joseph avec une canne en caoutchouc. Était mal fait pis j'avais frais. Quand je revenais passer trois heures dans un igloo. Qu'on avait fait deux ou trois gauches et qui rondou. 23 décembre, joyeux Noël, monsieur Côté. Salut Tigu, on se reverra le 7 janvier. Okay. Donc, je vous montre ça, la rythmique, tranquillement, pas vite. On va y aller ensemble, puis je vais vous montrer les subtilités, puis etc. Donc, je vais aller, je vous conseille d'aller chercher la tablature. J'ai mis, vous pouvez downloader, télécharger là, dans la description du vidéo. Je vous ai tout mis ça. Donc là, je vais juste en regarder un petit peu. Tablature, parfait. Donc, pour commencer, riff 1. Excusez. OK, donc 3 sur la 6e corde, 0 sur 5e, 2 sur 5e corde. Puis on tombe sur le A mineur, OK? Ensuite, 2, 3 pour aller sur le C. OK. Quand vous allez vous installer sur le G, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher votre petit doigt parce que je vais jouer tout simplement sur les cordes en haut. Donc, ça va me faciliter la tâche. OK. Je vais être plus rapide. Donc, lentement. À deux toujours sur l'autre corde juste en dessous. Puis ensuite, je viens chercher avec un pincement de corde vers le haut. Vers le haut comme ça. Okay? Je vais me placer un petit peu mieux comme ça ici pour que vous voyez. Donc, je fais juste des pincements vers le bas. Non, excusez-moi. Mais la dernière, je viens de la chercher vers le haut. Donc, tonique du G. Coup vers le bas. L'intro ensemble. Ça, c'est le riff 2, là. Excusez-moi.
lentement. Là, vous avez vu que j'ai fait un hammer on sur le C. Ça, c'est un hammer on classique. OK, on va le faire ensemble. Lentement. Pratiquez ça lentement. Puis quand je fais le, je viens juste muter la note pour pas qu'elle continue à sonner durant que je viens faire le deuxième fois le riff. Donc, ce que je veux dire, c'est, voyez-vous, après je mets mes mains comme ceci pour muter la note, puis là je recommence le riff tout de suite. Donc, ce qu'on fait, c'est que pratiquer ça lentement. Puis là, on va passer à l'étape suivante. Ok? On fait deux fois l'intro. Là, je stop et je vais commencer à chanter. J'ai dans la tête un sapin, une crèche en dessous. On peut faire ça. Moi, des fois, quand je chante, je ne vais pas le faire. Mais si, mettons, c'est pas vous qui chantez, puis que vous êtes à l'aise, ou vous chantez, vous êtes à l'aise, vous voulez le faire, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai décidé de. Des fois, je l'ajoute, des fois, je ne l'ajoute pas, mais souvent, je ne l'ajoute pas. Donc, ce que je fais, c'est. J'ai dans la tête un vieux sapin, une crèche en dessous. On peut faire le riff numéro 2. Vous F avec une canne en caoutchouc. D. Était mal fait, pis j'avais frais. Quand je revenais passer 3 heures dans un igloo, qu'on